matricule 25727G. Précédemment directeur des études de l'école militaire interarmée, EMIA, est nommé directeur de la dite école, en remplacement du colonel Amara Camara. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République, Conakry, le 3 novembre 2021. Colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-065 PRG-SGG portant nomination de certains officiers à des postes de commandement. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, les officiers dont les prénoms et noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-dessous. 1. Base aérienne principale de Conakry. Commandant de base, colonel Gibril Keta, 18047G. Commandant adjoint, lieutenant-colonel Mamadi Keita, 18784G. Base aérienne de Kamsar, commandant de base, colonel Mamoudou Kondé, 13815G. Commandant adjoint, lieutenant-colonel Seni De Camara, 21033G. Base aérienne de Labé. Commandant de base, colonel Eugène Loi, 17962G. Commandant adjoint, lieutenant-colonel Aboubakar Insila, 20972G. Base aérienne de Farana. Commandant de base, lieutenant-colonel Younoussa Touré, 17974G. Commandant adjoint, lieutenant-colonel Mamadou Imam Diallo, 16728G. Base aérienne de Cancan. Commandant de base, lieutenant-colonel Salimou Bambo Fofana, 18917G. Commandant adjoint, lieutenant-colonel Salem Madi Silla, 18614G. Base aérienne de Zérékoré. Commandant de base, colonel Jean Cécé Haba, 16307G. Commandant adjoint, lieutenant-colonel Moussa Traoré, 17262G. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République, Conakry, le 3 novembre 2021. Colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-066 PRG SGG portant nomination de certains officiers à des postes de commandement. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, les officiers dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les postes de commandement ci-dessous. 1. Bataillon autonome de Boké, commandant de bataillon, colonel Mamadou Alphaba, matricule 21465G. Commandant adjoint de bataillon, colonel Fadi Sano, matricule 18070G. Bataillon autonome de Farana, commandant de bataillon, colonel PV Zoumanigui, matricule 18230G. Commandant adjoint de bataillon, lieutenant-colonel Alpha Kabinet Naini Nabe, matricule 25631G. Bataillon autonome de Gekedou, commandant de bataillon, colonel Moro Diakité, 19494G. Commandant adjoint de bataillon,
Colonel Amidou Souma, matricule 27-299G. Bataillon autonome de Mamou, commandant de bataillon. Lieutenant-colonel Fode Daouda Fofana, matricule 14-601G. Commandant adjoint de bataillon, lieutenant-colonel Sandin Touré, matricule 18-927G. Bataillon d'infanterie de Forêt-Caria, commandant de bataillon, colonel Alpha Oumar Bari, matricule 21-534G. Commandant adjoint de bataillon, lieutenant-colonel Mohamed Alabi, matricule 18-659G. Bataillon d'infanterie de Kundara, commandant de bataillon, colonel Ibrahim Assadio Diallo, matricule 25-277G. Commandant adjoint de bataillon, lieutenant-colonel Mamadouba Ibrahima Kamara, matricule 13-844G. Bataillon d'infanterie de Mali, commandant de bataillon, colonel Vassery Pivi, matricule 15-603G. Commandant adjoint de bataillon, lieutenant-colonel Bachir So, 21-373G. Bataillon d'infanterie de Massanta, commandant de bataillon, colonel Mamadi Kondé, matricule 19-420G. Commandant adjoint de bataillon, lieutenant-colonel Jean Lansana Traoré, matricule 27-347G. Bataillon d'infanterie de Mandiana, commandant de bataillon, colonel Bangali Kamara, matricule 14-493G. Commandant adjoint de bataillon, capitaine Mohamed Lamine Kamara, matricule 27-333G. Bataillon d'infanterie de Beyla, commandant de bataillon, colonel Lansiné Diallo, matricule 17-446G. Commandant adjoint de bataillon, commandant Saraïdi Baldé, matricule 23-320G. Bataillon d'infanterie de Sigiri, commandant de bataillon, lieutenant-colonel Ablaye Touré, matricule 21-658G. Commandant adjoint de bataillon, lieutenant-colonel Daouda Kondé, matricule 19-403G. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République, Conakry, le 3 novembre 2021. Colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-067 PRG SGG portant nomination de certains officiers à des postes de commandement. Le président de la transition, vu la charte de la transition en date du 27 septembre 2021, vu la loi L 2018 025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué 001 du 5 septembre 2021 du CNRD portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 2021-01 PRG, CNRD, SGG du 16 septembre portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, vu le décret D 2021 PRG, CNRD du 6 octobre 2021 portant nomination d'un premier ministre chef du gouvernement, décrète. Article 1er.
Les officiers dont les prénoms et noms suivent sont nommés à la tête des régions militaires ci-dessous. 1. Région militaire de Kindia, commandant de région, colonel Ibrahima Finando, matricule 18334G. Commandant adjoint de région, lieutenant-colonel Ibrahima Khalil Keita, matricule 17374G. 2. Région militaire de Labé, commandant de région, colonel Tambakala Stolno, matricule 18562G. Commandant adjoint de région, colonel Alpha Omar Bari, matricule 21416G. Région militaire de Kankan, commandant de région, colonel Malik Diakité, matricule 16560G. Commandant adjoint de région, colonel Charles Collier Pelama, matricule 18848G. 4. Région militaire de Zérékoré, commandant de région, colonel Damaoulin Dumessi, matricule 17471G. Commandant adjoint de région, colonel Karamoko Kamara, matricule 18064G. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République, Conakry, le 3 novembre 2021. Colonel Mamadi Doumbouya. Décret D. 2021-068 PRG-SGG portant nomination de certains officiers à des postes de commandement. Le président de la transition, vu la charte de la transition en date du 27 septembre 2021, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué 001 du 5 septembre 2021 du CNRD portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance 2021-01-PRG-CNRD-SGG du 16 septembre portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, vu le décret D 2021-PRG-CNRD du 6 octobre 2021 portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement, vu le décret D 2021-035-PRG-CNRD du 21 octobre 2021 portant nomination du ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, vu le décret D 2021-015-PRG-CNRD du 12 octobre 2021 portant nomination du chef d'état-major général des armées, décrète. Article 1er. Les officiers dont les prénoms et noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-dessous. 1. Bataillon spécial de Conakry. Commandant du bataillon, colonel Mamadi Touré, matricule 18121G. Commandant adjoint, commandant Abdoulaye Ouri Diallo, matricule 27335G. Bataillon autonome des troupes aéroportées, commandant du bataillon, colonel Ali Badara Sangaré, matricule 19521G. Commandant adjoint, lieutenant-colonel Ibrahima Bangoura, matricule 18757G. Bataillon du quartier général, commandant du bataillon, colonel
Philippe Magasuba, matricule 22680G, commandant adjoint, commandant Bangali Camara, matricule 21283G, groupement d'artillerie, commandant du bataillon, colonel David Lama, matricule 18189G, commandant adjoint, commandant Aboubakar Mara, matricule 24394G, bataillon spécial des blindés, commandant du bataillon, capitaine Sayon 2 Camara, 22723G, commandant adjoint, capitaine Mohamed Bari, 26023G. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République, Conakry le 3 novembre 2021. Colonel Mamadi Doumbouya.